Et la petite astuce pour ne pas pleurer, c'est de couper ici les tout petits fils en dernier. C'est ça en fait qui va sécréter la substance qui nous fait pleurer. Donc là, je mets toutes mes épluchures, vous voyez, dans mon collecteur qui se trouve juste en dessous de moi. Donc il est idéal parce qu'on va pouvoir le mettre, si vous n'avez pas de poignée sur vos tiroirs, vous allez pouvoir très bien aussi le mettre sur le dossier d'une chaise. Grâce à sa petite poignée. Ou alors tout bêtement, vous ouvrez votre porte de placard et vous venez l'insérer sur la porte de placard grâce à cette anse-là. Donc voilà, donc mon oignon est fini d'éplucher. Je vais venir enlever la dernière partie et vous voyez, il y a pas de larmes. Hop. Voilà. Donc je vais venir le couper en deux. Donc grâce à mon couteau éplucheur et ma poche à découper, je vais descendre un peu. Je le coupe en deux et je le mets dedans. Voilà. Il me faut une gousse d'ail. Donc je vais venir ouvrir. Hop. Voilà, je vais prendre une gousse. Et je remets dedans. C'est pratique, vous voyez. Ils sont empilables les uns sur les autres. Alors, n'hésitez pas. Pour les Black Friday, vous allez avoir le coffret à oignons, le coffret à pommes de terre et le collecteur. Et le tout avec des couvercles noirs. Ils sont top. On va venir éplucher notre design. Donc, pareil, hein, j'utilise toujours le couteau éplucheur. Voilà, et je la mets entière dedans. Donc pour le reste de la recette, il me faut également 400 g de légumes variés, donc des poireaux, des carottes, on peut également mettre des navets. Donc moi j'ai les carottes et les poireaux qui sont à l'intérieur de ma boîte ventilo frais, et du coup vous allez voir, c'est l'idéal parce que du coup ils restent bien fermes, ils ne sont pas tout mous. Et du coup vous allez pouvoir conserver vos légumes beaucoup plus longtemps dans votre réfrigérateur. Donc pour ça, c'est super simple. Vous avez dessus des petits pictogrammes qui vont vous dire avec quoi ça va. Alors vous voyez, moi là, j'avais juste un petit bout de poireau, donc je l'ai ajouté avec mes carottes, mais normalement, ils ne vont pas dedans parce que c'est pas le même pictogramme qu'ici, parce que là, le couvercle va être complètement fermé pour les carottes et semi-ouvert pour les poireaux. Mais comme vous voyez, ça ne l'a pas trop impacté. Donc on y va. Donc pareil, j'enlève toujours la plus grande partie, je vais le rincer à l'eau. Et on y va. J'ai mon saladier qui est derrière moi parce que je suis en train de faire du pain également. Hop. Et voilà. On y va, on met tout dedans. Et je vais venir éplucher quelques carottes. Donc pour les carottes, c'est pareil. Je vais pareil la rincer à l'eau. Je vais déjà découper les extrémités. Et venir éplucher avec le couteau. Pour l'éplucheur, moi j'aime bien le vertical. Après, il y a l'horizontal aussi. Hein, c'est selon comment on est à l'aise. Hop. Et après, je vais venir couper des petits tronçons. Hop là, voilà. On y va. Avec le couteau flash là. À éplucher, il est vraiment super parce qu'il coupe très très bien. Donc, attention à vous. Évitez de le passer au la vaisselle si vous voulez qu'il continue à bien couper. Sinon, il faudra l'aiguiser de temps en temps. Donc là, j'ai 200 grammes, je vais aller chercher un petit navet. Hop, on y va, on épluche le navet. Donc pareil, hein, toujours laver vos légumes avant. Hop. Donc pareil, je vais couper des petits morceaux. Donc si vous avez des composteurs, en plus, c'est l'idéal hein, d'avoir le collecteur parce que du coup, vous allez pouvoir tout transformer après. Je coupe les extrémités. Hop. Et après, si c'est des légumes, on va dire, du coup, sans pesticides, donc bio, vous allez pouvoir également faire des chips de légumes ou des bouillons de légumes. Attention, pas vos pommes de terre. Donc là, on a 300 grammes, on va rajouter un petit poireau. Je pense que je vais peut-être pas avoir besoin de tout. Il est assez gros, le poireau. Hop,
je pense que là c'est bon. Donc là aussi où vos ventilos frais sont l'idéal, c'est que du coup vous allez pouvoir conserver vos restes de légumes. Il nous fallait également 600 ml d'eau. Du coup, on va venir les ajouter à notre préparation. Donc 600 ml ou 600 g, c'est exactement la même chose. Hop, voilà. Et on va pouvoir insérer le couvercle. Donc voilà. Et ça va être prêt dans 25 minutes. Je vous montre le résultat tout à l'heure. Et voilà, la soupe est terminée. Elle est bien mixée. Donc là, je vais la garder au chaud à l'intérieur pour l'instant parce qu'on va la consommer pour ce midi. Et le reste, en fonction de ce qu'il reste, on le mettra soit dans le grand, soit dans le moyen pichet. Je vous dis à bientôt. Surtout, n'hésitez pas à liker cette vidéo ou bien à passer un commentaire si vous voulez une commande. Ou bien pour profiter des Black Friday avec le couvercle noir, des petites promotions comme ces boîtes de Noël. Alors, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.